Assalamu alaikum, bonsoir tout le monde. Au quartier de samedi 11 février sera à Paris 25. C'est un quartier d'athlètes sur une distance de 2100 mètres grand et petite piste autostar. C'est une course européenne. Code sera à gauche, piste au machin. Ce quartier se déroulera sur la quatrième course de Sérignon. Ils seront 16 au départ de ce quintet avec les 6 grands favoris dans les polos. Le 2, Franck Nival, 6 contre 1. Le 3, Mathieu Abreval, 15 contre 1. Le 5, Lacaduc, 10 contre 1. Le 8, David Thomas, 8 contre 1. Et le 14, Jean-Michel Bazir avec 2,5 contre 1. Le 16, Vossiadoro avec 17 contre 1 à la côte. Les grands favoris donnés à la fois. Le 14, 11 fois. La vitesse est obligatoire dans ce parcours. La ligne d'arrivée à 250 mètres. Il y a un écurie d'entraîneur. C'est le cas de Jean Léo Dersoir et là le 5 et le 8. La sélection de 2 chevaux 8, 14, suivi le 2 et les belles chances 5, 3, 16, 1, 4. Le gros toca qui peuvent pimenter les rapports, on a le 13, le 10, le 6 et le 12. Aussi, on a des outsiders comme le 4. Le 9 et le 11. Nous passons maintenant aux bases de ce quintet. Première base, le 14. Deuxième base, le 2. Possible pour le 8 comme favori logique. Les As ont donné 1, 3, 4. Les écuries 5, 8. Entraîneur en forme 2, 6. Joker en forme 6, 13. Alors voilà le classement de ce bel quintet d'athlètes sur 2100 mètres autostar. Les 6 grands favoris ont 14, 2, 8, 5, 3 et 16. Les outsiders 1, 4, 9. Les tocards 11, 13, 10. Et les non-cités, on a 4 chevaux, le 6, le 12, le 7 et le 15. La méthode de jeu sera 3 chevaux parmi les 6 favoris en haut. En ajoutant en tout cas un outsider dans nos bases, comme former un champ total ou un champ réduit, et vous pouvez ajouter quelques chevaux qui vous plaît. Le prono gratuit de demain, Inch'Allah. La base de 4 chevaux 14, 8, 2, 16, champ réduit avec le 4, le 7, le 5 et le 13. Deuxième base, 14, 5, 1, 2, champ réduit, 13, 10, 9 et 3. Les surprises qui peuvent monter les rapports, on a 5 chevaux, le 15, le 12, le 6, le 4, le 11. Il peut glisser un ou deux chevaux surprises dans ce quintet. Alors que les couplets, j'ai donné 3 couplets, 14, 5, 5, 3, 1, 8. Alors, bonne chance. Nous passons maintenant au pronom des sites et des journaux préférés pour vous. La base de 3 chevaux 14, 2, 8. Confidentiel 14, 2, 5, 8, 3, 13, 16, As. Pourquoi pas pour minimum 3. La liste type, leur classement 2, 8, 14, 5, 3, 16, As, 4, 9, 11, 13, 10, 6 et 7. Le cheval étoilé le 14 et les meilleures chances pour le 5 deux fois et le 2 deux fois. Alors que l'analyse, le grand favori en tête, le 14, puis le 8, 5, 2, 1, 16, 10, 13, 3, 6. Prono équitier 14, 8, 2, 13, 9. 5, 1, 11, la gazette des courses, 14, 8, 2, 3, 9, 5, 4 et 16.
Par rapport au pronostic de Paris-Tuf, passer Drake Blockett, elle a toujours mis le grand favori en tête, puis le 2, le 8, le 5, le 3, le 16, le 9 comme outsider, le 11 outsider, et les meilleures chances pour lui, le 1 outsider, 13 tocards, le 4 tocards et le 10 tocards. Aussi, on a le 6, 12, 7, ils l'ont cité pour c'est le 15. Alors que la dernière minute sera pour le 14, le coup de folie, c'est le numéro 16. Prono des meilleurs entraîneurs d'athlètes, ils ont donné 14-2-8-5 5 fois, 14-2-8-5 fois, 5-3-16 4 fois, 9-11-1 3 fois, 13-4 2 fois et le 10 une seule fois. Le 6 et le 7 sont les noms cités pour eux. Le cheval à suivre de ce quintet, c'est le numéro 14. Alors que dans l'ensemble des noms cités, on a le 12 et le 15, et noms cités pour la presse. Niveau de cette course sera assez difficile. Le temps ensoleillé à 9 degrés, le terrain sera bon. Alors que les chevaux repérés pour vous, pour les jumelles, on a le 5, la spécialiste le 2 et la découverte sera le numéro 3. Par rapport aux favoris des médias, ils ont classé toujours le 14 en tête, puis le 8, 2, 5, 3, 16, 1, 4, 9, 13, 10, 11 et 6 et 7. La conclusion de Paris Course, donc leur base de 3 chevaux, 14, 2, 16, Tui au 8, 5, 9, Outsider 10, 3, en cas de partant le 4, et l'Outsider 6 division, c'est le numéro 4. Nous allons voir le passé 2022. Le grand favori en tête, pour un outsider avec 16. Troisième favori, le quatrième tocard. Et le cinquième aussi un tocard. 2021, le grand favori toujours en tête. Puis un outsider avec 13. Troisième favori, le quatrième tocard, 24. Et le cinquième était un favori. Alors, la méthode que j'ai donnée à vous pour jouer, c'est de prendre 3 chevaux favoris et en ajoutant un tocard ou un outsider dans notre base de champ. Comme ça, vous pouvez ajouter en se réduit les autres chevaux qui peuvent pimenter les rapports. Je vous souhaite toujours de bons gains et de bons rapports. Et je vous souhaite de bien prendre ce quintet dans vos caisses. En attendant notre prochaine vidéo pour vous donner mes infos sur le quintet de dimanche qui sera un grand prix, le Grand Prix de France sur l'athlète. Alors, ils seront 18 partants. Alors, à ce moment-là, je vous souhaite bonne soirée et à bientôt.